Alors attention, nous rentrons dans la salle de bain. Tadam! Alors la salle de bain, première vue, on dit, ouh, pas mal. Mais quand on vient voir de plus près, on a un évier qui, quand on ouvre fort, bah, ça coule là en dessous. On a une douche qui s'accroche là et donc qui se mélange avec là où il y a les toilettes. Toilettes qu'on doit. Comment on dit encore? Pour laquelle il n'y a pas de chasse. Et donc on doit remplir un petit bain santo pour faire partir tout ce qu'il faut. Nous avons des petites babettes, nous avons une petite mouchette là. La poubelle. Nous avions des fourmis, je pense qu'elles dorment à cette heure-ci. Ah, autre, je sais pas si t'as vu, on avait des fourmis rouges aussi. Nous avons une superbe toile d'araignée, assez vieille déjà. Et puis surtout, ah oui, j'allais oublier, le miroir pour quand on se douche, pour bien pouvoir se reliquer. Et surtout, nous avons des petites ouvertures pour être sûr qu'il n'y ait aucune humidité, bien sûr. Et surtout pour être sûr que toutes les babettes, elles rentrent. Et à la limite que les voisins vous voient toutes nues en train de prendre votre douche.